Ok les balances, on va voir ce qu'on a pour vous pour la romance. Donc pour ça on va utiliser le tarot de la romance. On va utiliser aussi l'oracle des miroirs qui est vraiment pas mal, comme je l'ai dit dans les autres vidéos, pour tout ce qui est investigation, creuser un peu, savoir ce qui se passe. C'est un peu l'oracle de la curiosité en fait, pour les gens qui aiment bien savoir ce qui se passe et les cancans, tout ça, mais bon. On va utiliser aussi l'oracle des étoiles, de la prophétie des étoiles, pour avoir un conseil. Et bien sûr, comme d'habitude, on va peut-être demander un conseil au tarot psychique, qui sait, si on en a besoin. Comme d'habitude, vous allez avoir, on va avoir les deux énergies, la vôtre qui sera ici et celle de la personne de votre intérêt qui sera là. Et on va voir le passé et le présent et avoir un conseil pour vous. Donc déjà, excusez-moi si je bug un petit peu, il est quelle heure là? 22h, donc c'est peut-être pour ça que je bug, j'ai fait beaucoup de lectures. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas que ce sont des lectures générales, non personnelles, elles peuvent être inversées. Je répète une deuxième fois, elles peuvent être inversées. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui mettent dans les commentaires « Mais j'ai rien fait, c'est pas moi, c'est lui qui m'a fait ça. » Oui, mais c'est parce que c'est sûrement inversé. D'accord? Donc prenez ce qui est bon pour vous. Si l'histoire vous parle, dans ce cas-là, écoutez et regardez ce qui... Donc, essayez de voir de quel côté vous êtes. Et si l'histoire ne vous dit rien dans ce cas-là, c'est que c'est vraiment pas votre vidéo. Mais surtout, voilà, sachez vraiment où vous placez, soyez vrai avec vous-même, d'accord? Ne vous mentez pas parce que se mentir, ça sert à rien. Bien sûr, n'oubliez pas que dans le tarot, les rois et les reines sont des énergies et non des sexes. Vous pouvez très bien être une femme et être dans l'énergie d'un roi, donc dans une énergie d'action. Vous pouvez très bien être une femme et un homme être dans l'énergie de la reine, qui est l'énergie de réception. Ne faites pas attention aux signes forcément, d'accord? Ça peut arriver que j'insiste sur un signe s'il y a toutes les cartes du signe. Mais vous avez aussi affaire au fait que, des fois je dévoile un signe, mais ça peut être une personne qui a très fortement ce signe-là dans son thème astral, mais pas dans son signe solaire. Donc du coup, les gens qui s'accrochent trop aux signes, c'est un peu compliqué pour vous de comprendre. Accrochez-vous à l'histoire. Voyez si elle résonne avec vous et sachez où vous placez et vous verrez ce qui se passe. N'oubliez pas que vous avez un lien dans la description qui n'est pas sponsorisé, qui vous aide à connaître vos placements, si vous en avez besoin, si vous avez besoin d'aide. Ok, c'est tout ce que j'ai à dire, je pense. Bah oui, je pense que c'est ça. Ça peut être inversé, c'est une lecture générale, non personnelle. Si vous voulez une lecture qui soit appropriée à vous personnellement, vous avez un lien dans la description aussi pour des lectures personnelles. Donc, let's go. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la romance pour les balances? On a, oups, ok. Flirt. Étendez votre lumière aux autres. Lumière de cœur aux autres et engagement. Votre vie amoureuse est en train d'évoluer à un niveau d'engagement beaucoup plus élevé. Oh, ça peut parler de... Je dirais pas mariage parce qu'il y a la carte du mariage dans ce tarot, dans cet oracle-là. Mais à mon avis, vous avez affaire à... J'ai l'impression que ça va être positif, hein. Vous avez besoin de flirter et vous êtes testé dans le sens où est-ce que vous voulez mener votre engagement peut-être à un niveau plus élevé. Donc ça risque d'être assez intéressant. Ok, qu'est-ce qu'on a au niveau du tarot concernant l'énergie du passé pour les balances? Qu'on a pour les balances? Oups, il y a une carte qui est sortie, c'est quoi? Le monde. La fin d'un cycle et le début d'un nouveau. C'est la dernière carte, donc j'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir un changement pour vous. Et c'est plutôt positif, hein. Comme j'aime le dire, quand les cartes sortent, à mon avis, c'est un clin d'œil de l'univers, c'est comme ça que je le vois pour moi. J'avais pas fini de mélanger les cartes, ni de séparer, mais ça peut être quelque chose qui vous parle, le monde. La fin d'un cycle, le début d'un nouveau, donc c'est assez positif, en général. Qu'est-ce qu'on a pour les balances concernant la romance? Concernant l'énergie du passé. Donc n'oubliez pas que là, quand je parle de romance, je parle de la personne qui est dans votre cœur. Qu'elle soit du passé, du présent, ou que ce soit une personne qui vous intéresse mais avec laquelle vous n'êtes pas encore. Je parle de la personne qui fait résonner votre cœur.
qu'elle soit, que ça soit terminé ou que ça soit toujours actuel ou que ça soit une personne à laquelle vous pensez, c'est d'elle que je parle. Ok, alors on a roi de denier, la lune dans le passé et le 7 de bâton. Donc le roi de denier, ça peut être un signe de terre. Et la caméra s'est éteinte. Non, c'est bon. Le roi de denier, ça peut être un signe de terre, donc taureau, vierge, capricorne. Quelqu'un qui a, ou sinon quelqu'un qui est abondant au niveau des biens matériels, des finances, une maison. Quelqu'un qui est stable. Quelqu'un qui n'est pas très spirituel, mais qui est stable. Plus précisément, un taureau. La lune, ça peut parler du signe du cancer. Ça peut parler aussi d'avoir peur, d'avoir des insécurités. Ça parle de choses qu'on ne voit pas très clairement, de choses qui sont cachées, de secrets. Et le 7 de bâton, ça parle de quelqu'un qui se protège, d'être au-dessus de certaines, soit d'être au-dessus de certaines situations, parce qu'on voit les personnes qui sont en bas, qui ont des bâtons, mais lui, il est au-dessus et il se protège et il a la main, en gros. Mais ça peut parler aussi de protection, de devoir se protéger. Donc ça, c'est pour votre énergie au niveau du passé. Qu'est-ce qu'on a pour la personne qui est dans votre cœur? Concernant le passé. Excusez-moi pour ma gorge, j'avais remarqué que je tousse plus trop. J'ai juste enfin un tout petit peu de rhume dans la gorge, pas grand chose, ça s'accroche. Mais je tousse plus trop. J'espère que je vais pas me porter la poisse en disant ça. Et avant que ça commence, on va boire un peu. Ok. On va mettre ça ailleurs. Juste ici. Ça en fait de la place. Qu'est-ce qu'on a pour les balances concernant la personne qui est dans leur cœur au niveau des énergies du passé? Ok, j'avais besoin de remuer beaucoup pour cette personne, je sais pas pourquoi. C'est peut-être à cause des secrets qui sont là, qui sait. Qu'est-ce qu'on a pour le passé concernant la personne qui est dans le cœur des balances? J'ai failli dire les taureaux. Le chevalier de bâton, quelqu'un de passionné, ça peut être un sagittaire, ça peut être quelqu'un de qui fonce, voilà, beaucoup de passion, mais en général, c'est jamais très stable. Hein. C'est une énergie de feu, ça veut dire que ça part vite, vite fait. Le 10 de coupe qui parle d'une famille, d'abondance émotionnelle, de joie, de réussite. Bon, il y a trop de cartes par rapport à ça, donc je prends celle-ci. Donc, on a le chevalier de bâton que j'ai déjà décrit qui parle de passion. Par contre, le chevalier, lui, il va pas vers le 10 de coupe. Il va ailleurs. Et on a la reine de denier. Le 10 de coupe, ça peut parler, alors ça, ça peut parler d'un signe de feu, plus précisément Sagittaire. Soit ça, ça peut parler d'une famille, de l'abondance émotionnelle, de la joie, la sérénité, tout ce qu'on souhaite. Le 10 de coupe, c'est vraiment... J'ai tendance à dire que le 10 de coupe, ça réunit vraiment, vraiment tout ce que l'on souhaite vraiment. C'est, je trouve que c'est mieux que le 10 de denier. Pourquoi ? Parce que le 10 de denier, oui, c'est bien, c'est les biens matériels, c'est une famille, mais le 10 de coupe, c'est qu'émotionnellement, tout va bien. Et si émotionnellement, tout va bien, ça veut dire qu'on est rassuré, on a la paix, on a les finances, on est heureux. On peut avoir le 10 de denier et être totalement malheureux émotionnellement. On peut avoir le 10 de coupe et avoir la possibilité d'avoir tout ce que l'on souhaite. Pourquoi ? Parce que c'est clair que si vous manquez d'argent, vous n'aurez pas le 10 de coupe parce que il vous manque quelque chose émotionnellement. Et là, le 10 de coupe, émotionnellement, c'est que tout va bien. On a la famille, les enfants, le terrain, personne qui nous saoule, un bon travail, des moyens financiers, tout va bien. Et la reine de denier qui parle d'un signe de terre, donc on a quand même deux homologues dont j'ai l'impression que vous étiez fait l'un pour l'autre, où vous êtes. La reine de denier, c'est quelqu'un qui est très en retrait, donc taureau, capricorne, vierge, quelqu'un qui travaille dur, quelqu'un qui est indépendant, qui prend soin de sa famille, de son jardin, mais qui est très humble, qui vit dans l'abondance matérielle, mais très très humble. Donc du coup, vous étiez sur la même longueur d'onde. Sauf que le chevalier de bâton, peut-être que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde en fait. À mon avis, le chevalier de bâton, c'est la personne que de votre intérêt qui regarde ailleurs. Et vous, vous êtes sûrement la reine de denier. On va voir. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'oracle des miroirs? Qu'est-ce qu'on peut savoir concernant cette situation par rapport au passé? On va essayer de pousser un peu, faire de la place. Qu'est-ce qu'on a par rapport à l'oracle du miroir? Qu'est-ce qu'on peut savoir par rapport au passé?
qu'est-ce qu'on peut savoir concernant la relation du passé pour la personne qui est dans le cœur des balances? Qu'est-ce qu'on peut savoir? Jalousie, d'accord. Donc jalousie, je vais prendre le carnet parce que je connais pas encore les cartes. C'est un oracle que j'ai reçu dernièrement via la wishlist. D'ailleurs, il y a la wishlist si vous souhaitez envoyer des oracles et des tarots pour avoir des lectures spécifiques. Alors, jalousie, cette carte symbolise la rivalité, qu'elle soit d'ordre professionnel ou personnel, mais aussi le dépit, les difficultés, les personnes envieuses, les menaces et la haine. Ce miroir est influencé par Mars. Donc, alors... Non, j'ai bien l'impression que c'est ça. Oui, il y a un homologue, il y a deux personnes qui allaient ensemble. Sauf qu'il y a une personne qui était passionnée, mais pas par la vie de famille. Et de votre côté, émotionnellement, il y a des choses que vous cachiez. Qu'est-ce qu'il faut savoir concernant la lune pour les balances dans le passé? C'est quoi la lune concernant les balances dans le passé? Un secret, quelque chose de caché. C'est quoi? Ce que vous souhaitiez dans le passé, c'est la réussite, la fondation de quelque chose, peut-être un enfant ou un début de bien matériel. Mais pourquoi on a le 7 d'épée alors? C'est quoi le 7 d'épée? C'est quoi? Parce que le 7 d'épée, ça parle de quelqu'un qui fait quelque chose de malicieux. D'accord. Alors du coup, c'est pas quelque chose de malicieux, c'est quelque chose que vous faisiez pour obtenir le 10 de coupe, mais vous le faisiez en cachette. Peut-être que vous avez fait en sorte de tomber enceinte sans le dire. Ou simplement, vous avez fait quelque chose juste pour obtenir le 10 de coupe, pour avoir une famille ou fonder quelque chose avec cette personne. C'est ça qui est caché. Que signifie donc... Alors attends, parce que je vais garder ça. On avait quoi comme carte? Ça. Ok. Donc du coup, que signifie le 10 de coupe dans le passé pour la personne qui est dans votre cœur? Que signifie le 10 de coupe pour la personne qui est dans le cœur des balances dans le passé? Que signifie le 10 de coupe? Le 10 de coupe, la modération. Il y a une personne qui n'était pas axée sur la famille ou qui faisait des choses. Peut-être si c'est une personne qui n'était pas axée sur la famille, c'est pas parce qu'elle ne voulait pas en avoir une, c'est parce qu'elle voulait créer la protection. La protection, c'est une personne. Vous vouliez peut-être une famille et fonder quelque chose. C'est ce que vous cachez. Mais cette personne-là, elle voulait peut-être aussi le 10 de coupe. Mais elle était concentrée sur le fait de foncer et de pouvoir protéger sa famille. C'est pour ça qu'elle regarde d'ailleurs. Parce que c'est pas que ça l'intéresse pas, c'est qu'elle a des buts à atteindre pour pouvoir avoir une famille. C'est quoi la reine de denier? La reine de denier, c'est le 3 de coupe, le 3 d'épée, cœur brisé, le 2. C'est pour ça. Le 2 d'épée qui parle de vouloir de tout bloquer ou de vouloir avoir la paix. L'impératrice qui parle du signe du taureau ou de la balance. Peut-être que vous ne vous êtes pas compris. Vous n'avez pas compris pourquoi vous vouliez ça, mais je pense qu'il y avait un problème de communication. Vous, ce que vous vouliez une vie de famille, mais vous ne le disiez pas. Et cette personne, elle voulait aussi une vie de famille, mais elle était concentrée sur créer quelque chose. Et vous, ça vous a brisé le cœur. Vous avez peut-être bloqué cette personne dans le passé parce que vous vouliez devenir une mère. Parce que l'impératrice, c'est une maman, c'est quelqu'un de fécond, mais c'est quelqu'un de créatif aussi, quelqu'un qui n'est pas très spirituel, qui est axé sur tout ce qui est terrestre. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. On a bien un homologue, on a bien pardon, une équivalence. Vous vouliez la même chose, sauf qu'il y avait un problème de communication. Vous vouliez la même chose, sauf que la personne avec laquelle vous étiez dans le passé fonçait pour protéger une famille et vous vouliez simplement la famille en fait. Il y a sûrement eu un problème de communication et donc du coup ça a créé des problèmes ou peut-être que vous pensiez qu'il allait voir ailleurs ou ce genre de choses.
Ok, qu'est-ce qu'on a dans le présent? Ça, c'est le passé. Qu'est-ce qu'on a dans le présent pour les balances? Ok, qu'est-ce qu'on a dans le présent pour les balances par rapport à cette relation? La personne de leur intérêt, qu'est-ce qu'on a dans le présent? On a dans le présent par rapport à cette relation. Le 4 de coupe, vous en avez assez ou vous en avez marre de patienter? La tour et le 6 de demi. Ok, d'accord. J'ai l'impression que vous en avez eu marre, que vous avez créé une tour ou sinon c'est que c'était pas stable. On va voir. Qu'est-ce qu'on a pour la personne qui est dans le cœur des balances? Pour le présent. Mais ouais, à mon avis, dans le passé, il y a eu un problème de communication. Vous vouliez la même chose, sauf que il y a eu un souci où vous pensez qu'il allait voir ailleurs, ou qu'il ou elle allait voir ailleurs, ou peut-être que ça a été le cas. Mais j'ai pas l'impression. Et ça a créé une sorte de discordance. C'est pour ça qu'on dit que la communication dans le couple, c'est important. Parler, même si vous avez l'impression que vous saoulez la personne, mais exprimez-vous. Bon, pas au point de saouler quelqu'un non plus, quoi. Mais exprimez-vous, parlez, dites ce que vous ressentez, ce que vous souhaitez. Faites entendre votre cœur. Qu'est-ce qu'on a pour la personne qui est dans le cœur des balances dans le présent? Oups. Ok, on en a trois. On a le 2 de denier qui parle d'instabilité ou de gaieté. Le... Ah oh. Le valet de denier qui parle d'un début de projet ou d'un bien matériel ou d'un enfant, et le 7 de denier qui parle de planter quelque chose et d'attendre les résultats. Peut-être que vous avez eu un enfant, peut-être, hein. Parce que guetter un enfant et on a planté quelque chose, on attend. Et là, ah c'est ça, c'est magnifique. Vous en avez marre d'attendre la tour. Qu'est-ce qu'apporte la tour? Un nouveau départ. C'est quoi le 6 de denier pour les balances? Que signifie le 6 de denier pour les balances dans le présent? Le soleil. Oh! Vous en avez... Ok. Quand il fit le 4 de coupe, vous en avez marre d'attendre, vous avez fait... Vous avez sûrement dit ce qui n'allait pas, vous êtes énervé. Vous prenez un nouveau départ, ça veut parler aussi de... Voilà, d'un nouveau départ, de prendre un risque. À mon avis, la tour, c'est une tour positive. Clarifie la tour encore une fois, s'il te plaît, dis-moi. Oui, c'est ça. Ok, vous avez exprimé ce que vous souhaitiez dans le passé et maintenant dans le présent, vous avez... peut-être que vous avez un enfant ensemble, c'est possible, ou sinon vous allez en avoir un. Faites pas attention à ces cartes-là, hein. J'ai pris celle qui est arrivée là. C'est quoi le 4 de coupe pour le présent dans le... Ouais, un nouveau cycle. Oh, et la roue de la fortune, c'est bien ça, magnifique. On va voir, qu'est-ce qu'on a pour niveau, au niveau... Bon, ça va parler à tout le monde, je pense, hein, parce que je pense pas que tout le monde souhaite un enfant. Ou ça peut parler d'un projet aussi, mais là, j'ai l'impression que je tape dans l'énergie de balance qui voulait un enfant avec quelqu'un et ça se réalise. Ça fait plaisir. Donc voilà, si c'est pas un enfant, c'est un projet que vous aviez avec quelqu'un et qui se concrétise. Qu'est-ce qu'on a pour l'énergie du présent par rapport aux balances et la personne qui est dans leur cœur? Oh, c'est beau. On a, oups, elle est argent, d'accord. Donc argent, ça peut être clair, mais on va voir. C'est la carte numéro 18. En même temps, si vous avez un enfant, c'est un peu normal que l'argent commence à parler. Cette carte représente les gains, les biens, les finances, mais aussi les avoirs, les jeux de hasard, les richesses intérieures. Pardon. L'or et la fortune. Ce miroir est influencé par le soleil. C'est positif. Je vais voir un petit peu, excusez-moi. Donc j'ai l'impression que soit on parle de... Soit vous êtes une personne qui vient d'avoir un enfant ou vous allez avoir un enfant avec quelqu'un. Ça a été compliqué mais finalement ça se passe. Soit vous avez, avec la personne avec laquelle vous... la personne qui vous intéresse et vous créez quelque chose. Une maison, vous avez un appartement, vous achetez quelque chose. Mais la tour qui est là, c'est une tour positive. Pourquoi? Parce qu'elle a été clarifiée par le fou et le 4 de bâton qui parle de réussite, de concrétiser quelque chose, de créer quelque chose avec quelqu'un. Le fait que vous en ayez eu marre, vous avez fait en sorte de... à mon avis, vous avez donné un bon petit coup un petit coup de nerf à la personne qui est dans votre intérêt. Et maintenant, vous avez obtenu ce que vous souhaitez et c'est pas plus mal.
Et c'est pour ça qu'on dit votre engagement, on est en train de tester votre engagement. C'est sûrement la personne, non, votre vie d'amoureuse est en train d'évoluer vers un niveau d'engagement plus élevé. Vous et cette personne, vous avez construit quelque chose, vous êtes en train sur le point de construire quelque chose et c'est magnifique. On va voir ce qu'on a comme conseil. Waouh! Merci pour cette lecture, les balances. On va voir ce qu'on a comme conseil pour l'oracle des étoiles. Oh, c'est beau, c'est bien. Bien sûr, si vous ne reconnaissez pas, désolé, mais là... Ouais, c'est bien. J'ai pas clarifié quand même. On va voir avant. Clarifie le valet de deniers. Pour la personne qui est dans le cœur des balances. Ouais, l'attente, le 3 de bâton. Vous attendez un enfant. Vous attendez un enfant, c'est beau. En tout cas, pour ceux qui n'attendent pas, ça peut être aussi un projet professionnel, puisque les deniers, c'est les biens matériels. Mais là, j'ai plutôt l'impression que je parle à des personnes qui attendent un enfant. Clarifie le 7 de deniers. Il y a une carte qui s'est retournée. Oh oui. Non, oui, 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 c'est ça. Bravo. Alors, non. Donc, le début, c'est normal que c'est la fin. Alors, l'étoile à l'envers. Bon, ça va être difficile. C'est juste que ça va être compliqué un peu. C'est un peu normal. Hein. Avoir un enfant, si vous en attendez un, ou vous désespérez, en fait. Mais c'est positif. Oh non. Ok, alors, attends. Clarifie l'étoile et le valet de bâton à l'envers. Ah, c'est bien, d'accord. Ok. J'ai eu peur. C'est positif. Vous avez tous les deux le 4 de bâton à l'endroit. Donc, vous construisez quelque chose ensemble. Soit la personne qui est dans votre cœur, c'est un signe d'air, ambitieux, qui a confiance en lui. Soit c'est une personne simplement qui... Ouais, qui maintenant est... Parce qu'on a la reine d'épée et la reine de denier. J'ai l'impression que vous êtes passé de la reine de denier. Même si on parle de la personne qui est dans votre cœur, j'ai l'impression que vous étiez la reine de denier. Et maintenant, vous passez à la reine de bâton. Quelqu'un qui, en même temps, si vous êtes enceinte, c'est un peu normal. Quelqu'un de sûr d'elle, de belle extérieurement, de sexy. Ouais, j'ai eu peur quand j'ai vu ça à l'envers. Je me suis dit, oh mon Dieu, j'espère que c'est pas la perte d'un enfant. Mais non, ça va. Vous attendez un enfant, vous attendez un projet. Maintenant, ça vous met en confiance. Il faut simplement avoir la patience. Donc, c'est bien. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour les balances au niveau de la prophétie des étoiles? Bon, en tout cas, si c'est pas une personne avec laquelle vous êtes en couple, ça, ou si vous êtes plus âgé, que vous attendez pas un enfant, mais que vous construisez quelque chose avec quelqu'un, ou que votre enfant va avoir un enfant, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Qu'est-ce qu'on a pour les balances au niveau de la prophétie des étoiles? Ok. Réécris ton destin. 3, 4, 5. Ok. 5, 23. 23, 2 et 3, ça fait 5. Donc ça parle de l'énergie, de l'humanité, de quelque chose de tous les jours, de terrestre. Voici le message le plus important de notre prophétie. Même si ton destin est écrit au cœur des étoiles, rien ne t'empêche pourtant d'en profiter, d'en modifier le manuscrit. Tu n'es pas pieds et poings liés à un parcours figé. Au contraire, nous les astres, adorons les créatifs qui décident de tout réinventer, de changer leur futur, sans s'emprisonner dans un sentier tout tracé. Tu peux à tout instant réécrire ton destin, puisque toi seul en es le maître. C'est ce que vous avez fait avec la tour. Vous avez forcé. La tour, c'est que vous avez forcé, vous avez fait en sorte que tout ce qui était instable dans le passé, le fait de ne pas communiquer, le fait de ne pas être sur la même longueur d'onde, vous avez créé une tour, en, peut-être en donnant un petit coup d'énervement ou autre. Ça a tout détruit pour reconstruire à nouveau avec le fou, quelque chose qui vous a mené vers ce que vous souhaitiez, quelque chose qui crée un nouveau cycle et qui vous mène vers votre destin. Vous attendez soit un projet, soit un enfant, et franchement, cette lecture-là, elle est magnifique. Elle était magnifique, en tout cas. En tout cas, j'espère que ça a résonné avec les balances qui regardent la vidéo. Bien sûr, si ça ne résonne pas avec vous, c'est que ce n'est pas votre énergie. Ne forcez pas. Et aussi, n'hésitez pas à me parler en commentaire, hein, si vous avez un enfant ou si ce que je vous dis, c'est vraiment ça. Parce que franchement, c'était une lecture vraiment jolie et c'était mignon. Les taureaux, c'est ce que j'ai pour vous au niveau de la romance. C'est pour ça qu'on avait ça. Étendez votre lumière de cœur. Vous avez parlé à cœur ouvert, à mon avis. Et maintenant, vous allez dans un niveau plus élevé au niveau des relations. Et c'est très, très beau.
Ben, les balances, c'est ce que j'ai pour vous pour la romance. Donc, c'est pas une lecture pour la semaine, c'est une lecture pour ce que vous devez savoir au niveau de la romance au moment où vous regardez cette lecture. Et n'oubliez pas que vous pouvez aller sur le site internet pour vous procurer tout ce dont vous avez besoin concernant les produits ésotériques comme la pluie de déblocage, la lotion de désensorcellement qui sont deux lotions magiques d'influence qui peuvent très bien remplacer l'encens. La pluie de déblocage, c'est pour tout ce qui est blocage au niveau de la procrastination, de la créativité ou pour la malchance. Désensorcellement, c'est pour les énergies négatives, les sorcelleries, les magies noires, les messes noires, tout ce qui est mauvais qu'on envoie vers vous. Vous en mettez un peu dans chaque pièce de votre appartement, de votre maison, dans votre voiture, sur votre lieu de travail. N'oubliez pas d'aérer surtout, pour en mettre dans vos chaussures, sur vos vêtements, pour créer une bulle de protection autour de vous. Les personnes qui ont déjà acheté les lotions, n'oubliez pas que les pierres, vous pouvez les garder pour qu'elles continuent à vous protéger. Pensez seulement à les purifier, à les passer sous l'eau ou dans de l'encens une fois par mois quand même. Vous avez aussi maintenant, qui sont en précommande, les bocaux magiques. Alors pour l'instant, j'en ai fait juste pour la protection, avec une bougie qui va avec et un rituel qui est sur le site internet qui vous permet d'effectuer le rituel de bocal magique. C'est pour un souhait. Celui-ci, c'est pour la protection. Il va y avoir un bocal pour la paix, l'amour, l'argent. Mais je commence toujours par la protection. Pourquoi ? Parce qu'on protège avant de pouvoir vouloir plus de choses. Donc la bougie, elle sera un peu plus petite parce que je me suis rendu compte de ce que celle que j'ai faite couler. Elle dure au moins 8 heures. Et donc du coup, vous n'allez pas avoir 8 heures, vous n'allez pas rester 8 heures à regarder votre souhait. Donc je vais les faire soit plus fines, soit plus petites, peut-être de cette taille-là. Ou soit plus fine pour que ça aille plus vite, parce que c'est un rituel que vous quand même vous devez observer, puis sans compter que c'est magnifique de voir son rituel s'exaucer. En tout cas, il y a le descriptif de comment effectuer le rituel sur le site internet. Là, c'est pas un rituel que je vais vous envoyer via la boîte mail ou via les courriers, parce que c'est un rituel qui est assez facile, qui est pas complexe, et je peux le dévoiler celui-ci. Donc il y a des herbes comme là pour la protection, spécialement pour la protection, et aussi des lotions magiques qui sont dedans, qui sont pour la protection. Et ça sera pareil pour chaque bocal de magie. Vous aurez des herbes qui seront associées à ce que vous souhaitez, argent, paix, amour ou protection. Donc n'hésitez pas à faire un tour, à précommander. Je les ai fait en précommande parce que je me suis rendu compte que quand je crée des produits, les gens sautent dessus et il n'y en a jamais assez. Et après, je me fais taper dessus dans les commentaires, pas dans les commentaires, dans les mails, et c'est pas cool. Donc du coup, maintenant, je les fais en précommande pour voir qui est-ce qui en a besoin. Et comme ça, j'en fais un max. Et après, je les livre sur le site internet. Vous avez la possibilité d'avoir la bougie de retour à l'envoyeur et l'huile d'onction de retour à l'envoyeur qui sont vendues séparément. Alors n'ayez pas peur, comme je dis tout le temps, d'effectuer des rituels de retour à l'envoyeur. Pourquoi ? Parce que vous ne créez rien de mal, vous ne créez pas de magie noire ou de sorcellerie. Tout ce que vous faites, c'est que si vous avez l'impression que quelqu'un a fait de la sorcellerie ou a créé un envoûtement ou quelque chose dans le monde spirituel pour vous empêcher d'avancer dans la vie, vous bloquer ou vous emmerder tout simplement, vous faites un rituel de retour à l'envoyeur, vous mettez cette personne dedans. N'oubliez pas de mettre les personnes qui vous font douter dedans, parce que si votre intuition vous parle et vous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à quelqu'un, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si cette personne n'a rien fait, il ne lui arrivera rien en retour. Par contre, si cette personne a fait quelque chose de spirituel pour vous ennuyer, il lui arrivera en retour ce qu'elle vous a envoyé, d'accord ? L'huile d'onction, c'est une petite bouteille mais qui est concentrée, et sans compter que le rituel de retour à l'envoyeur, on en fait une fois par mois et pas plus. Les huiles d'onction, vous en mettez un tout petit peu, d'accord ? On n'en met pas des tonnes, on ne baigne pas le rituel dans l'huile, on met juste 2-3 gouttes, ça suffit, et vous avez un compte-gouttes qui vous aide à doser, d'accord ? Si vous ne pouvez pas prendre les deux en même temps, commencez par la bougie, d'accord ? Elle vous permettra d'effectuer le rituel. L'huile d'onction, c'est simplement une huile d'onction, donc pour booster le rituel, faire en sorte qu'il soit beaucoup plus intense, beaucoup plus rapide, sans compter que l'huile d'onction va vous durer entre 6 à 10 mois, si vous l'utilisez, comme j'ai dit, avec 2-3 gouttes seulement et pas plus. Et tout ce que vous aurez à faire après, vous aurez l'huile qui sera chez vous, vous aurez simplement besoin d'acheter des bougies de retour à l'envoyeur mois par mois. C'est un rituel de protection, en fait, donc même moi, j'en fais tous les mois parce que je suis dans le monde spirituel et je sais qu'on m'envoie des attaques spirituelles par rapport au travail que je fais et je me protège de toute façon. Donc du coup, je le fais une fois par mois parce que c'est comme ça, mais peut-être que vous n'en avez pas besoin une fois par mois. N'oubliez pas que vous avez un lien dans la description pour prendre des rendez-vous pour des lectures personnelles. Vous avez aussi au niveau de la partie TPRS Shop tout ce qui est casquettes, tasses comme celle que j'utilise ce soir là, t-shirts, sweatshirts, baskets, sacs, tout ce que je crée qui est axé sur tout ce qui est design et illustration au niveau universel, qui je trouve qui est pas mal, mais bon, ça vous voit. Vous avez aussi le lien pour le service lunaire pour la nouvelle lune du 18-19 mai. C'est un lien qui permet de faire un rituel pour toute une année.
un rituel qui dure 29 jours, un rituel de désenvoûtement et de protection qui vous protège pendant toute l'année. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre de bain ou se protéger ou allumer de l'encens du tout de l'année, mais c'est un rituel qui vous attaque contre les entités, les énergies qui sont extrêmement toxiques et négatives, les gens qui vous ont vraiment fait quelque chose, et c'est intense. Donc c'est un rituel que vous payez une seule fois, un service que vous payez une seule fois. Moi j'effectue le service pendant 29 jours, donc de la nouvelle lune à la nouvelle lune. Je vous envoie aussi, c'est compris dans le prix, des choses à prendre, des plantes pardon, à prendre pour le bain, pour que vous soyez en harmonie avec la lune, mon rituel et le désenvoûtement ou la libération. Donc voilà, n'hésitez pas, le lien est dans la description. En fait, tout est dans la description si vous en avez besoin. Bah, en tout cas, les balances, c'était une super belle lecture. Je suis vraiment contente d'avoir pu voir cette énergie qui est vraiment magnifique. Bah, en tout cas, j'espère qu'elle a résonné avec vous et qu'elle vous a parlé. Et je vous souhaite en tout cas beaucoup de bonheur, beaucoup de choses positives si vous avez un enfant ou si vous avez quelque chose que vous concrétisez avec la personne qui est dans votre cœur. C'est super beau. Donc, bonne chance, bon courage et merci pour cette lecture qui était juste magnifique. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!